L'arbre serpent, effectivement une œuvre majeure qui avait disparu de nos regards depuis 4 ans et depuis 6 mois qui était donc qui avait quitté Angers. Et Angers aujourd'hui, la voir venir avec le soleil, et c'est effectivement une fête. C'est une restauration un peu particulière puisque l'œuvre a été totalement décapée et remise en couleur. C'est une technique qui est tout à fait particulière à ce type d'œuvre, qui est donc en résine polyester et qui nécessite évidemment l'attention, la technicité, l'expertise d'un professionnel, d'un professionnel tout à fait particulier, tout à fait spécifique, unique en France, et qui a travaillé sous le contrôle permanent de Blum Cárdenas, la petite fille de Nikit Saint-Phal. En deux mots, l'opération, la statue que vous voyez là est devenue toute blanche. On a totalement enlevé les couleurs et on a remis ces couleurs. Vous devinez naturellement la technicité, la précision qui doivent être celles de ce travail. Grâce à un mécénat, au mécénat de BNP Paribas. Et je salue ici cette intervention, mais qui s'inscrit bien dans ce qui est notre temps, n'est-ce pas, et ce qui est voulu également par la ville d'Angers, à savoir ce croisement, ce travail, ce partenariat avec des entreprises, des fonds privés, pour que notre ville puisse rayonner, briller par sa culture.